C'est une maison, évidemment, elle est conçue par Jules Hardouin avant ça, mais elle est surtout redécorée après, au XVIIIe siècle. Le premier étage avait perdu tout son cloisonnement. Je voulais, moi, à tout prix, évoquer ici ce qu'on appelle le plaisir de la vie, la légèreté. On sort de l'époque de Mansart, où justement, on aurait eu des décors beaucoup plus lourds. Là, pas du tout, on met des boiseries claires, on organise avec des sols plus simples, des grands rideaux blancs. La légèreté. Le vestibule nous plonge dans la cour d'honneur, il est minéral. Un grand salon octogonal n'a pratiquement pas de boiseries, on en voit pratiquement rien avec des fenêtres. Et par contre, dans la salle à manger, on dépense sans compter les deux plus belles salles à manger du milieu du XVIIIe siècle en France, c'est le château de Champs-sur-Marne et le château de Villette.